Un grand merci à le salut des acteurs de la quadrilla qui vont aller troquer le boléro de parade pour le boléro de travail. Le temps... Ah, allez, on tente. En attendant la première coursière, Miranda, la voilà. Placé en bout de piste par Pierre-Alain Castex, et ce n'est autre au centre de l'arène que le chef de quadrilla Nicolas Comarieux, Lamaulois, qui se présente face à vous. On va déjà commencer à encourager le chef de quadrilla par de chaleureux applaudissements. Et déjà le soutien de la musique, le premier pour Nicolas, qui prend ses repères face à la coursière de la Ganaderia Dussault. Et en laissant aussi très motivés les musiciens de la lyre à Bassèze, on va les accompagner tout au long de ce spectacle par des applaudissements, bien sûr. Passons ensemble une excellente après-midi. Et Nicolas Comarieux qui se présente pour le deuxième. Ah, Nicolas au plus près de la coursière, malheureusement. Il a voulu trop bien faire l'écarteur à Molois. Allez, tout le monde, on va commencer à mettre l'ambiance ici à Abbas. Et Cédric Lalanne, l'entraîneur de Poyartin, pour placer Miranda pour son troisième galop. Et Nicolas Comarieux dans un des plus beaux styles. Une belle réussite pour le chef de quadrilla. Eh bien Nicolas, tu reçois 5 euros de prime de la part des co-présidentes pour ta présentation. Et maintenant, c'est le tout jeune, le benjamin de cette quadrilla, Maxime Bourg, 16 ans tout juste. Lui qui avait fait sensation l'an dernier dans les arènes d'Orsarieux pour le championnat des jeunes. On le retrouve donc avec grand plaisir ici à Abbas. Allez Maxime. Ah, une très belle attente et un joli style salué par les applaudissements du public. Et on arrive déjà au cinquième galop de la coursière. Et Maxime qui se représente sous les conseils du manager de cette formation, Nicolas Comarieux, qui prodigue les précieux conseils. Ah, sur le grand saut, Maxime! Et tu vois le public connaisseur à Abbas qui réagit par les applaudissements. Le sixième en préparation. Et il semble avoir trouvé ses repères face à Miranda, l'écarteur du Ouga. Ah, une très belle attaque là aussi. Une très bonne complicité avec le cordier au bout de la ficelle. Allez, on va reprendre tous ensemble sur le refrain. Comarieux, le chef de quadrilla, qui vient reprendre la mer dans cette sortie avec un brin d'indice pour les co-présidentes du comité des fêtes, Céline Marmion, Mélanie Morlière et Marie Guichemer, pour les remercier d'avoir fait le pari de relancer la course hollandaise en terre à Bassèze en ces fêtes de Pâques 2016. Ah, Nicolas, très appliqué.
Ah, il a l'air très en forme aujourd'hui. C'est vrai qu'il vient en voisin. Nicolas Comarieux, le chef de quadrilla, qui s'avance pour attaquer Fiesta à la sortie du Toril. Et maman, elle a pas de... Moi aussi, hein. Oh. Ah, par bien la coursière, le premier de Nicolas. Et il va la prendre d'ailleurs, monter, descendre, si la coursière le permet. On le sait, grand fêteur, ancien champion de France des vaches sans corps de Nicolas Comarieux. Un deuxième passage, une sortie qui promet d'être rapide. Ah, il est inarrêtable, le chef de quadrilla. On va d'ailleurs venir le remercier par des applaudissements. Avec toujours le soutien des infatigables musiciens de la lyre à bassesse. Et j'en vois en face qui ont bien compris l'intérêt aussi d'accompagner la musique pour motiver les acteurs. Trois figures défectuées. Et Nicolas Comarieux toujours donc au centre des arènes d'Abbas. Une attaque sur le saut de Nicolas Comarieux. Et Pierre-Alé Castex, l'entraîneur de Vétus, pour placer Fiesta pour son cinquième galop. Allez, je veux voir tout le monde accompagner les musiciens. Faisons monter l'ambiance, passons un agréable moment tous ensemble ici à Abbas. Faisons de ce pari qui est de relancer la course hollandaise une grande réussite aujourd'hui. Allez Nicolas, tu as le soutien de tout le public. On attend avec toi donc le cinquième déboulé de Fiesta. Ah, il se replace dans le bon terrain, Nicolas Comarieux. Et il va le reprendre sur le retour. Ah, toujours très très à l'aise dans son jeu de jambes. Attention Nicolas, plus de peur que de mal. Six figures défectuées déjà, de sortie rapide et plaisante. Eh bien, il fait sa présentation lui aussi dans ses arènes. Le sauteur attaché à la formation de Nicolas Comarieux, Jérémy Brett. Un tonnerre d'applaudissements pour les musiciens de la lyre abbassaise. Le saut de l'ange de Jérémy. Avec une coursière qui répond bien aux sollicitations du sauteur. Et on arrive déjà au dernier départ de la coursière. Une sortie, comme je vous l'ai dit, rapide. Que vous a offert Nicolas Comarieux avec Jérémy Brett. C'est lui d'ailleurs le chef de quadrilla qui va venir en terminer. Il vous remercie, cher public, d'être venu aussi nombreux et vous offre sa dernière figure. On va bronzer. Et il termine sur les carrés intérieurs, le chef de quadrilla, lui qui a vu que la coursière avait fait le tour. Il n'a pas refusé le... Et déjà de nombreuses primes à Abbas. Philippe Descazo, pépinière Olipalm à R sur la Dour 20. Madame Marie Lalanne à Abbas 20. Robert et Bernadette, l'auberge du Cheval Blanc 5. Et Béatrice Despertas à Abbas 5 de primes. Merci donc à tous ces donateurs. L'entrée en piste de Christopha. La voilà, la partenaire de Jérémy Brett. Et déjà les musiciens qui donnent le tempo. Et Jérémy qui veut venir remercier les coprésidentes et l'ensemble des bénévoles du comité des fêtes d'Abbas pour les remercier pour l'accueil réservé ce midi. Allez tout le monde, avec la musique, le premier envol de Jérémy, le son de l'ange pour débuter. Thank you.
regardez le saut piégeux et dévalé. Les pieds dans le béret, les jambes liées par la cravate, le saut le plus technique et le plus ancien en course hollandaise. Je vous laisse apprécier cette discipline qu'il maîtrise parfaitement, Jérémy. Il est bien dans l'axe des cornes, le sauteur. Henrik Duclavé, l'entraîneur de Morin, pour placer Christophe pour son troisième départ. Une course pour le moment très enlevée. L'appel de Morin de Jérémy Brette. De réussir, on le sait, on le voit en grande progression dans cette discipline, Jérémy. À la revanche de Jérémy. Dommage, dommage Jérémy, mais tu vois, le public voit là aussi toute l'envie que tu avais mis dans le saut que tu nous as interprété. Alors que l'on arrive à la conclusion de cette sortie du sauteur, il va venir en terminer Jérémy Brette avec un brindis spécial pour Lilian Garant pour le remercier de l'accueil réservé à la quadrilla ce midi. Allez, je veux voir tout le monde accompagner le dernier galop de la coursière et le dernier envol de Jérémy. Et il en termine fort bien, Jérémy, avec la coursière, on le voit, au port de tête impressionnant. Eh bien, Jérémy, tu reçois 5 euros de prime des coprésidentes du comité des fêtes, qui te remercie pour ta sortie. Tu es au centre de la piste, tu vas y rester pour saluer le public et recevoir l'ovation bien méritée. Nous arrivons déjà à la quatrième sortie, sortie très attendue de tous les grands coursiers, sortie très attendue aussi du Canadair, puisque ce sera la vache sans corde qui foulera le sable d'une arène pour la toute première.